même vérité. En parmi, c'est quoi? Parmi, c'est l'homme qui est devant le miroir. Hmm? C'est comme ça. Et il va se décider une image de le miroir. Et cette image-là, comme je vous l'ai expliqué, c'est quoi? C'est Dieu. L'image du miroir. C'est comme ça. Et vous savez quoi? Le miroir inverse l'image. Donc, quand c'est devant le miroir, on trouvait quoi? On trouvait 74. Donc, son 14 que vous voyez là, son 14 que vous voyez là, c'est quoi? C'est Dieu. L'image du miroir. C'est ainsi que quoi? C'est ainsi que son 14, vous voyez son 14 dans le Coran, vous verrez quoi? Vous verrez la sorte de revêtir de manteau. Revêtir de manteau. Telle est l'image du miroir. C'est Dieu qui s'est regardé de mon dos. Il s'est regardé de mon dos. Il a pris quoi? Il a pris le mystère qui est devant le miroir. Il a pris sa forme. C'est Dieu. Il s'est regardé de mon dos. C'est comme ça. C'est inscrit sur 14. Sur 14, il est pour les 7 et 4. À 17, dans le rappel, vous savez que c'est à FG. À 15, il prononce quoi? Ah, la personne qui a fait de la famille, ça va être D. Il se prononce GOR. Donc, son carton, ça va être quoi? Il a dit, ça va être GOR. Et GOR, c'est quoi? C'est Dieu en anglais. GOR, c'est Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça. Parmi, c'est quoi? C'est un visiteur de miroir. Il aime beaucoup le miroir. Il aime beaucoup le miroir, c'est comme ça. Comme vous appelez dans l'histoire de ma mère, oh, ça ne vous étonne pas, parce que c'est qu'il aime beaucoup le miroir. C'est comme ça. Et le miroir, là, c'est quoi? Le miroir, c'est quoi? C'est l'eau qui sort. Ce pays, c'est Darwin. Et si ma mère, je l'ai depuis tout de suite, comme quoi, il aime Darwin, c'est quoi là? Hein? Il aime Darwin. Il aime Darwin. Et Darwin, le pays, c'est quoi? C'est le miroir, c'est le miroir. Ainsi, c'est... Voilà pourquoi son code téléphonique, c'est quoi? C'est 219. 219, vous dites quoi? 22 de réponse, c'est quoi? C'est le pèlerinage. Le pèlerinage, le hajj. C'est-à-dire, la visite. La visite. Le pèlerinage, la visite. Maintenant, l'offre. L'offre comme l'offre. Donc c'est quoi? Il y a un offre dans l'offre, vous allez venir ça comme? Voilà un offre. Pop. Et l'offre qui visite quoi? Regardez. Voilà un offre. Il visite quoi? Il visite H qui est juste devant lui. Regardez. Il vient quoi? Il passe à H. Donc il vient quoi? Pop. C'est quoi? C'est un visiteur de H. H là c'est quoi? H là je l'ai dit tout de suite. C'est quoi? C'est un miroir. H, c'est un miroir. C'est parce que le miroir, d'après sa forme, c'est quoi? C'est la forme du miroir. Ainsi on dit miroir, un comme miroir, comme quoi tiroir. La forme du tiroir. Un tiroir qui est ouvert. C'est la forme de H. C'est quoi? C'est comme ça. Le miroir c'est un tiroir. C'est le côté du miroir là qui est quoi? Qui est l'image de le miroir. C'est comme ça. Le miroir c'est un tiroir. Un tiroir que seule la lumière ouvre. C'est le H de la famille, c'est quoi? C'est un miroir. C'est un miroir. Ainsi, il est quoi? Ainsi, il est soit lumière, soit il se prononce R. Il est bien parce que quoi? Parce que l'image du miroir est bête. Vous pouvez faire toutes choses. Faites comme ça, devant lui, il va le faire. Il va le répéter. Faites n'importe quoi devant lui, il va le répéter. Mais quand vous parlez, il ne va pas répéter ce que vous dites. Elle est biette. Votre miroir est biette. C'est pourquoi H est son bien. Vous prenez par exemple H de Haïko, elle est biette de Haïko. Tandis que H est son bien et H aussi se prononce comme quoi?